Come on. Salut les prodigues, nous voici pour le compte-rendu de la dernière guerre de clans qui vient de s'achever ce soir sur une super victoire 23 à 20, une victoire face à un clan level 12. Alors on va regarder trois replays. Le premier, c'est le replay de Guillaume, bouliste sorcière, très belle attaque sur un HDV10. Il reste très peu de troupes, mais la dernière sorcière fait le travail et va clean l'ensemble de la map. Bien joué Guillaume. Allez, on va passer un deuxième replay, une attaque du même style, sur un HDV10 un petit peu plus maxé, de la part de Jim. Une attaque extrêmement large. Il reste énormément de boulistes. L'arène est au maxi. Les guérisseuses sont encore là. Attaque très facile de Jim. Allez, on a gardé le meilleur pour la fin. L'attaque de Riri. Bouliste sorcière toujours. Sur un HDV 11, cette fois-ci maxé. We'll be right back.
énorme attaque de Riri sur le numéro 1 adverse. Vraiment bien joué Riri. 3 étoiles, il reste encore le sort de la reine, très large. Bien joué. Et du coup, voici comment s'achève cette guerre face à Spain Pantanegra. Une victoire 23-20, l'attaque héroïque pour Riri, la défense héroïque pour Jim. On a fait nos 20 attaques, petit pourcentage de destruction, mais c'est un petit peu normal face à un clan level 12, sachant que la GDC était composée uniquement d'HDV 11 et d'HDV 10. On en a rasé 3 en face. De l'autre côté, ils ont rasé un HDV 10 par un HDV 11. Sinon, ils ont fait que des 2 étoiles et une seule étoile surprise. Voilà, c'est le numéro 3 qui rase Guillaume. Donc, très belle victoire, 23-20. Donc, on continue un petit peu notre série. À noter qu'on a un historique qui n'est quand même pas vilain. C'est dommage, cette défaite face à Stronghold. Merci à tous de m'avoir suivi. À très bientôt. Salut l'équipe!